Pourquoi y a-t-il ce délai, capitaine? On attend, monsieur. Vous attendez quoi? Le soldat Doss. Et qui est ce soldat Doss? J'ai toujours rêvé de devenir docteur, mais j'ai pas beaucoup été à l'école. Je peux pas rester ici pendant que tous les autres vont se battre pour moi. Tu croyais que cette guerre allait seulement servir tes propres idées? Pendant que les autres enlèveront des vies, moi je vais en sauver. Je servirai mon pays de cette façon-là. Ceci est un cadeau personnel du gouvernement des États-Unis, conçu pour exterminer l'ennemi! Je suis désolé, sergent, j'ai pas le droit de toucher un fusil. Vous ne tuez pas? Non, monsieur. Vous savez qu'il arrive parfois que l'on tue dans une guerre. Le soldat Doss ne croit pas à la violence! Ne comptez pas sur lui pour vous sauver sur le champ de bataille! Non! Je ne crois pas que ce soit une question de religion. Je dirais plutôt que c'est de la lâcheté. Je suis tombée amoureuse de toi parce que tu ne ressemblais à personne. Ils disent qu'ils pourraient t'emprisonner. Je ne saurais pas comment vivre avec moi-même si je ne respectais plus mes croyances. Dans ce monde si motivé à s'entre-déchirer, ça ne me semble pas si utopique de vouloir en recoudre un peu les morceaux. Soldat Doss, vous êtes libre de traverser les tirs croisés d'un champ de bataille sans avoir aucune arme pour vous protéger. Je vais te ramener à la maison. Vous devez venir voir quelque chose. Qui a fait ça? Doss le lâche. Il faut qu'on y remonte demain. Les hommes ne remonteront jamais là sans toi. Aide-moi. Alors fais-moi confiance. Tu as intérêt à revenir à la maison. Seigneur, je t'en prie, aide-moi à en sauver un autre. Aide-moi à en sauver un autre.